On doit s'assurer de mettre de l'huile de coupe afin de bien nettoyer l'outil, refroidir. Faut s'assurer régulièrement que notre tarot est droit pour éviter que le perçage, le taraudage soit croche. Donc, il faut tourner, visser si on veut, et de temps en temps, il faut reculer pour pouvoir couper le copeau et ainsi permettre à l'outil de moins forcer.